Salut tout le monde, donc voici la reprise des entraînements donc des Fiers Normands. Après donc la prestation qu'on a fait à Akigny, donc bon, il n'y avait pas grand monde, mais franchement pour une première c'était plutôt respectable. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir reporter ça l'année prochaine et faire une belle fête médiévale l'année prochaine. La prochaine fête en tout cas donc c'est à Saint-Vendry le week-end du 7 et 8 mai. Donc pareil, venez nombreux, ça va être le cadre est super et donc évidemment ça va être excellent. Donc la reprise des entraînements comme je le disais, donc on va faire un peu de technique dite AMHE. Hein, c'est vraiment l'art martial historique niveau escrime médiéval. Donc vraiment on va faire les postures, etc. Donc ça vous avez pu voir ça dans quelques vidéos. Mais donc voilà, je peux vous les apprendre plus en détail voilà, à la salle. Donc n'hésitez pas à venir. Donc on va faire voilà, de la MHE et on va faire aussi du coup du Machunga. Machunga c'est donc les épées en mousse. Donc avec ça on peut taper aussi fort qu'on est bête et il n'y a pas de souci. Donc on se tape avec ça, on a des casques en mousse aussi. Donc ça c'est des fournitures qui vous sont données à la souscription de l'asso. Donc n'hésitez pas donc, à nous contacter en privé et puis on en parlera si vous voulez souscrire à l'asso. Il n'y a pas besoin hein, d'être un expert en combat médiéval, il n'y a pas besoin d'être un historien non plus, même si voilà, tout ça ferait plaisir, hein, mais il n'y a pas besoin de tout ça pour faire pour intégrer en tout cas les Fiers Normands. Juste voilà, la passion, même la curiosité, du Moyen-Âge voilà, pour intégrer donc, la famille des Fiers Normands. Donc voilà, après voilà, donc, la souscription pour avoir le Machunga, je crois que ça va être 70 euros pour l'année. C'est pour l'année. Sans Machunga, du coup, donc là par contre, vous avez bah, que vous, c'est 40 euros. Sachant que pour venir un entraînement, il faut au moins donc, un jogging et une paire de gants. Toujours. Donc voilà. Écoutez, là on va en plus accueillir donc de nouveau dans l'assaut, enfin qui postule en tout cas, hein, mais bon, il n'y a pas de raison, c'est Philippe et Isabelle. Donc je vais vous les montrer tout à l'heure, ils vont danser la danse de l'ours avec nous, ça va être sympa. Mais bon, ils ont de la bouteille, donc Philippe a de la bouteille en médiéval, donc bon, je n'en fais pas pour lui. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà la petite équipe, ça discute, hein, ça s'entraîne pas encore. Va falloir que je mette mon grain de sel là-dedans. Voilà, alors, Julie, là, elle regarde les règles qui vont être mises en vigueur par Christophe. Christophe, c'est celui-là, là-bas, du cachet. Yep. Non, ça, c'est Mimi. C'est ta Mimi. Et Christophe, c'est lui, là. C'est lui qui va nous faire des petits jeux pour les enfants en bois. Et donc, c'est les règles que vous avez vues là-bas. Voilà. Thank you.
petit jeu de capture de drapeau. Donc le drapeau, le petit foulard rouge, le petit foulard bleu là-bas. Et on va faire deux équipes et ils vont se taper pour capturer le drapeau.